Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons retourner au moulin du berceau pour faire la séquence du mois de mars et découvrir comment a évolué la végétation depuis notre dernière visite que nous avions fait cet hiver. Quelle surprise pour nous aujourd'hui de découvrir ces pelouses qui ne sont pas tondues. En raison du confinement, les tondeuses ne sont pas passées. L'herbe est très haute, il y a beaucoup d'herbes et finalement beaucoup d'insectes qui butinent ici. Alors c'est une chance pour eux, ils trouvent une véritable manne de nectar et de pollen. Abeille mellifère sur la fleur de pissenlit qui est en train de récolter justement du pollen pour ramener à sa ruche. Pollen qui va servir à nourrir ses petits. Le pollen il va être stocké dans des alvéoles, comme ça. Les abeilles prendront le pollen au fur et à mesure pour donner à manger aux petites larves. Une des végétations les plus importantes de cette époque, ce sont les chatons de saule. Vous pouvez découvrir ici un insecte qui est assez velu, qui ressemble à un bourdon, mais qui ne fait pas partie de la famille des bourdons, mais celle des mouches. C'est un diptère, il s'appelle le bombile, le grand bombile. Et il visite une à une les petites fleurs pour trouver le nectar. Ici, on le voit qui est en train de butiner donc dans les Véroniques de Perse, Véronica persica. Une très jolie petite fleur bleue. Dans ses pelouses, on voit aussi du lamier pourpre. Et ici, caché dans l'herbe, regardez, un reptile, un grand reptile. C'est une couleuvre à collier. Elle se fait chauffer là, au soleil. Elle est complètement inoffensive et cette couleuvre à collier, elle est protégée dans toute l'Europe. Parce que c'est un animal qui va permettre de réguler la biodiversité, c'est important. Elle mange par exemple des rongeurs, des petits rongeurs, des grenouilles. Elle participe à l'équilibre de la biodiversité. Alors bien sûr, parfois on peut en avoir peur, mais elle est complètement inoffensive. Il faut juste regarder où on met les pieds. Elle aime bien se trouver dans la zone humide ici parce qu'elle aime, pouvoir se baigner. Vous voyez là ces grands peupliers là qui poussent au bord de la rivière. Bien sûr, les bourgeons de ces peupliers, les abeilles viennent pour récolter la propolis. La propolis, c'est cette résine qu'on voit là sur les bourgeons, un petit peu orangée et brillante. Et les abeilles ont l'habitude de récolter cette propolis pour la ramener dans leur nid. Et elles en collent un petit peu partout. Et cette résine antiseptique leur permet de se protéger des bactéries, des champignons et des virus. Dans ce gros châtaignier qui se trouve dans un village voisin, les abeilles habitent à l'intérieur de cet arbre. Et on voit un petit peu la couleur orangée, qui est la propolis qu'elles ont ramenée et dont elles ont tapissé tout l'intérieur du nid. La récolte de la propolis pour les abeilles, c'est quelque chose de très important et qu'elles connaissent depuis des millions d'années. Les abeilles, comme beaucoup d'animaux dans la nature, ont une parfaite connaissance de leur environnement et elles savent se soigner à partir des plantes, à partir des résines, à partir des exudats de champignons aussi qu'elles vont trouver dans l'environnement. C'est un petit peu leur boîte à outils et elles vont pouvoir faire face à toutes sortes de maladies.
Là, nous nous trouvons à l'endroit où les massettes poussent. Les massettes que nous avions vues dans la séquence numéro 1, elles sont en train de perdre toutes leurs graines et de se disséminer dans l'environnement. Au pied des massettes, dans la végétation sèche, c'est là que viennent se reposer les grenouilles. Très nombreuses grenouilles. Ce sont des grenouilles vertes. Grenouilles vertes. Grenouilles agiles. Ce sont deux types de grenouilles qui occupent l'espace du moulin. Elles ont fait pas mal de pontes là dans la mare. On voit, c'est ces amas qui flottent à la surface de l'eau. Et dans la nature, toutes les choses ont une importance. Chaque plante, chaque insecte a sa fonction. Ça, c'est vraiment un enseignement de la nature qu'on peut comprendre si on la regarde bien. C'est que tout est lié. On voit les chaînes alimentaires ici qui se mettent en place. Donc le petit vermisseau est mangé par la grenouille. La grenouille est mangée par le serpent. Les jours passent, le confinement se prolonge et l'herbe continue à pousser. Pendant cette période de repos, repos de la nature, repos pour les animaux aussi, ça nous permet de se poser un petit peu et de commencer à réfléchir à notre relation à notre environnement. Et là, quand on commence à lâcher justement cette emprise que nous avons sur le vivant, on s'aperçoit que la nature, comme on dit, reprend ses droits. Et rapidement, certains équilibres de la biodiversité vont pouvoir être restaurés. Et c'est intéressant aujourd'hui, dans cette période où nous, les humains, nous souffrons de ce virus, de retrouver la connaissance de notre environnement, retrouver l'importance de chacun, chacune des plantes, chacun des animaux qui nous entourent et avec lesquels nous devons composer si nous voulons pouvoir rester sur cette planète. Chacun a une raison d'être et nous, nous nous inscrivons dans cet ensemble. Et souvent, nous avons tendance à faire table rase de tout ce qui nous entoure et penser que nous sommes plus forts. Et aujourd'hui, dans cette période justement où le virus s'installe durablement, c'est intéressant de pouvoir nous poser la question de comment est-ce que nous pouvons restaurer notre environnement, comment est-ce que nous pouvons apprendre à mieux le connaître pour vivre en bonne harmonie avec lui et pour qu'il puisse nous protéger. Alors nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours, dans quelques semaines pour voir comment évolue ce lieu et voir comment la nature très rapidement reprend sa place, se réinstalle, se réapproprie les espaces.